Bonsoir à tous les amis. Bonsoir à tous. Vous savez que je regarde tout le temps ma page Wikipédia. Justement, je vais envoyer un message à mon frère parce que c'était son acteur préféré. C'est quelqu'un qui a joué aux côtés de Martin Scorsese. Il a joué dans un film avec Whoopi Goldberg qui s'appelle Corinna. Ben, il est là. Voilà. Corinna. Une comédie avec Whoopi Goldberg. Les Affranchis de Martin Scorsese. Blow de Ted Dim. Il a joué avec une quantité énorme de réalisateurs. Alors, Ray Liotta nous a quittés à l'âge de 67 ans. C'était un putain d'acteur. Je retiens de lui Les Affranchis, je retiens de lui. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable que Ray Liotta nous a quittés. Il est parti dans son sommeil. Il est mort dans son sommeil. Pour moi, c'était un acteur phare des films à gangsters. Parce qu'il en a fait vraiment beaucoup. Voilà. Je regardais encore. Je regardais encore le live de John Ali. Il parlait de Ray Liotta. John Ali de la chaîne The Leakers. Opération Jumbodrome, Copland, alors là, dans Copland, c'était un putain d'acteur, c'était vraiment un putain d'acteur. Il a fait beaucoup de rôles de gangster, il a fait de la comédie, il a fait plein de choses, il a joué pour Guy Ritchie dans Revolver, voilà, avec Jason Statham. Après moi, Revolver, j'ai pas trop aimé. Mais c'était plus un mec qui était connu pour faire des rôles de gangster. Il a doublé Tony Versetti dans le GTA Vice City. Une carrière vraiment très bien remplie. Pour moi, son rôle le plus mémorable, c'est Les Affranchis. Et ce qu'on pouvait retenir aussi de Ray Liotta, c'est que c'était un homme à femme. Des femmes, il y en a baisé à l'appel dans ces films. Voilà, il y en a baisé à mort. Voilà, c'était Kogan d'Andro Dominique. Voilà, Andro Dominique cherchait le nom du réalisateur. The Iceman, qui est aussi pas mal, sorti en 2012. Il a fait beaucoup de directs ou DVD. Hein. Mais attention, son rôle aussi le plus mémorable, c'est aussi Hannibal. Il y a la tête, carrément, on voit son cerveau.
Alors non, mais son rôle pour moi aussi, l'un des rôles les plus mémorables aussi, c'est Blue. Parce que dans Blue, il joue le père de Johnny Depp. Et vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un acteur vraiment très connu et vraiment qui mérite la chandelle de non ce Sudden Move de Steven Soderbergh. Vraiment, il a tourné pour Martin Scorsese, il a tourné pour Soderbergh, il a tourné pour James Mangold dans Identity, dans Copland, pour Nick Cassavetes dans John Q avec Denzel Washington. C'est un très bon film. Et malheureusement, le doublage y est pourri. Voilà, on a mis la voix de Will Smith, Greg Germain sur Denzel Washington et ça va pas. Et c'est ça qui plombe le film, c'est le doublage. Alors que dans la bande-annonce, c'est bien Emmanuel Giacomi qui double Denzel Washington. Et ça a fait plomber John Q. Je me rappelle même pas de l'avoir vu dans Sin City, J'ai tué pour elle, de Robert Rodriguez. C'est un mec qui a tourné pour tous les réalisateurs. Et c'est un mec pour qui Hero Wanted avec Cuba Gooding Jr., très bonne série B. C'est un mec pour qui j'ai une grande estime. Et vraiment, je suis vraiment déçu que Ray Liotta nous a quittés. Bon, 67 ans, ça va quoi. Mais bon, voilà, c'est. Entre 60 et 60, 70 ans, les gens commencent à partir. Voilà. Le rappeur français L'Homme Pâle a écrit une chanson répondant au nom de Ray Liotta sur son album. Ah, Narc aussi, Narc. Narc, c'était l'un de ses rôles. C'est un putain de film avec Jason Patric qui jouait le rôle d'un flic pourri dedans. Et vraiment, ouais, je retiens cette prestation. Vraiment. C'est un film un peu méconnu qui s'appelle Phoenix, qui est vraiment un très bon film policier. Voilà, Ray Liotta nous a quittés à l'âge de 67 ans. Je suis parti voir, hein, comme tout le temps, les morts, hein, sur Wikipédia. Je vais à peu près tous les 2-3 jours pour regarder les morts, s'il y a des personnes connues qui sont décédées. Mémoire suspecte. Très bon film, il savait jouer aussi le psychopathe, Ray Liotta. Très bien joué le psychopathe. Turbulence à 30 000 pieds. Alors là, ça, c'est. Je l'ai en DVD, il est très rare à trouver. J'aimerais. Obsession fatale, alors là, avec Kurt Russell, il les regarde baiser. C'est un flic pourri. Il a fait beaucoup de rôles de flic pourri. Il les regarde baiser et tout. Il est jaloux du couple que forment Madeleine Stowe et Kurt Russell. Et vraiment, Ray Liotta, bon, c'est vraiment. Malheureusement, j'ai pas préparé ça. Malheureusement, il joue aux côtés de son premier rôle important dans celui d'un mari psychopathe dangereuse sous tout rapport. Faudrait que je le découvre. J'ai jamais vu ce film-là. Mais moi, pour moi, quand je retiens Ray Liotta, c'est Les Affranchis directs. Les Affranchis, Best of Ray Liotta, parce qu'il venait de commencer, etc. Il a commencé sa carrière en quelle année, lui? En 83. Mais bon, Jonathan Demme, en plus, dangereuse, surtout rappeur, Jonathan Demme, c'est lui qui nous a fait Le Silence des Agneaux, il nous a fait Philadelphia, et voilà, il nous a fait plein d'autres bons films. Corrino, que j'ai pas regardé, voilà, ça, j'ai pas vu, mais bon. Il y avait une certaine présence à l'écran et quand je vois qu'il se fait casser la gueule dans Coogan, ça m'a fait quelque chose. Dans Coogan, il s'en prend plein la gueule dans ce film-là. Voilà. Ray Liotta, repose en paix, voilà. Très bon acteur. Il savait jouer les comédies, il savait jouer les flics pourris, il savait jouer le gangster. Mais surtout le gangster, surtout le gangster, surtout le gangster. Voilà. Je vous laisse les amis, salut à tous. Salut à tous.